On arrive doucement à la fin de l'année 2023, il est temps de faire, comme les deux années précédentes, mon petit bilan vidéoludique. Je rappelle rapidement le principe, il s'agit d'un exercice consistant à finir le plus de jeux possible, idéalement dans la liste des jeux achetés pas chers et jamais lancés, histoire de parfaire mes connaissances dans ce milieu et d'en faire des mini-tests de maximum 3 minutes chacun. Sachant que j'exclus de facto tous ceux dont j'ai déjà fait un test sur la chaîne cette année. Et alors que l'année dernière j'avais dit que j'essaierais de faire plus de jeux en 2023, ben j'en ai fait tout autant. 11, dont 2 en test. Alors qu'en plus j'ai été pas mal occupé sur cette fin d'année, j'en reparlerai dans une vidéo bilan de la chaîne qui sortira dans quelques temps. Donc en soi, je considère que c'est une victoire, même si dans le lot, il y en a où j'ai un peu triché. Ah, et si vous voulez sauter un jeu pour éviter les spoils ou autres, tous les timecodes sont en description. Oui, je sais ce que vous dites sans doute, comment ça se fait que je parle de Minecraft ici? J'ai déjà flexé comme une grosse merde plusieurs fois sur cette chaîne, comme quoi j'y avais énormément joué et avant beaucoup de monde. Ben, c'est surtout que je l'avais en réalité jamais fini. En tout cas de manière legit. Oui, Minecraft a une fin. Mais bon, celle-ci est assez anecdotique. Il faut faire tout le cheminement bien impossible à deviner si tu ne connais pas pour arriver à l'End, tuer l'Under Dragon, et voilà, t'as les crédits du jeu. Techniquement, c'est la fin de Minecraft. Je l'avais fait lorsqu'ils ont ajouté le truc, mais uniquement en créatif, et ça m'énervait un petit peu de ne jamais avoir terminé le jeu de manière légitime, en survival et avec les monstres. J'ai tenté de le faire plusieurs fois ces dernières années, mais à chaque fois je me préparais trop longtemps. Je voulais le méga set en netherite avec les enchantements parfaits dessus, sauf que ça prend une éternité de faire ça, et bien souvent ça me saoulait et je laissais le jeu en plan pour quelques temps. Et évidemment, quand je revenais, une mise à jour était passée, donc valait mieux que je recommence depuis le début. Cercle vicieux à la con. Mais cette année, ça y est, je me suis dit que j'allais faire le jeu, mais sans forcément vouloir le pousser autant qu'un vidéaste qui y passe 15 heures par jour et qui, forcément, a le temps pour les trucs très chronophages. Je me suis dit que j'allais profiter du jeu au rythme que je veux et selon mes envies, et ça a bien fonctionné. Je vais pas vous expliquer le fonctionnement de Minecraft, hein, je pense que tout le monde le connaît, mais je vais plutôt vous donner le point de vue d'un mec qui y a beaucoup joué il y a maintenant 10 ans. Le jeu, c'est considérablement complexifié, pas tant dans ses mécanismes de base que dans ce qu'il propose. Entre les nouveaux biomes, la nouvelle génération de terrains, les divers boss, les fermes de plus en plus complexes, les outils de redstone disponibles, le nombre de blocs et les différents moyens d'obtention proprement hallucinants, plusieurs fois je me suis retrouvé un peu perplexe face à l'immensité des options et possibilités. En soi, c'est pas un mal, Minecraft est le jeu bac à sable ultime et rajouter des options fait partie de ce qui fait le sel du jeu, que ça soit vanilla ou avec des mods. Mais ça fait qu'aujourd'hui, il a une courbe de progression bien plus importante. Franchement, sans une explication du wiki, il y a des trucs bien obscurs ou juste impossibles à trouver. Comment fonctionnent les enchantements par exemple, ou comment faire du béton, ou déplacer des abeilles. Alors oui, une fois que tu sais faire, tu te dis c'est évident, mais le seul moyen d'être au courant de toutes les options, c'est de se farcir une lecture complète du wiki du jeu. Et j'ai jamais trouvé ça très agréable. Après attention, je ne dis pas que tout était mieux avant. Les grottes actuelles par exemple, elles sont mille fois mieux pour l'ambiance et l'exploration que les précédentes. Et les objets et créatures disponibles aujourd'hui en font un jeu où il est compliqué de s'ennuyer tellement on peut se fixer d'objectifs. Et c'est sans parler de ce que les constructeurs les plus acharnés peuvent faire. Mais je regrette un peu cette simplicité des débuts. Comparé à aujourd'hui, j'ai l'impression que je m'amusais plus avec moins. Oui, j'ai totalement un discours de boomer sur ce sujet. Même si j'apprécie quand même le Minecraft d'aujourd'hui, et que je pense que j'ai en grande partie ce discours parce que je regrette d'avoir grandi. Mais bon voilà, je suis quand même heureux de l'avoir fini au moins une fois, ça reste un jeu toujours aussi incroyable. La saga Borderlands est une de mes séries de jeux vidéo favorites, et vu que j'arrête pas d'en parler, je pense que vous commencez à le savoir. Série de fast FPS RPG de science-fiction solo co-op, le tout matiné de mécaniques de hack and slash avec un gros soin apporté à son écriture et surtout une grosse dose d'humour, j'ai particulièrement aimé Borderlands 2, qui est dans ma liste de mes jeux favoris de tous les temps. Mais pas le 3, qui est globalement le 2 avec un gameplay un peu meilleur et une écriture largement moins bonne. Mais ça tombe bien, parce que Tiny Tina's Wonderlands s'inspire davantage du 2 que du 3, notamment parce qu'il s'agit d'une sorte d'extension du meilleur DLC du 2. Vous suivez ? Dans le 2, le DLC Assaut sur la forteresse du dragon nous met dans la peau d'un personnage de Bunker et Brutas, une parodie de Donjons et Dragons de cet univers, avec l'adorable psychopathe Tina en MJ. Et ben Tiny Tina Wonderland, c'est une nouvelle campagne de JDR complète, la suite de l'histoire du DLC, toujours avec Tina en MJ, mais avec un autre personnage joueur, en l'occurrence, vous. Et oui, car contrairement aux autres Borderlands où vous incarnez un vrai personnage de l'univers de la série, ici la personne attablée et qui joue, c'est vous. Vous pouvez concevoir votre personnage de A à Z, l'emphase sur le côté jeu de rôle est bien plus fort que les autres puces. Ce qui fait que le titre se ressent encore plus comme un jeu optionnel, déjà qu'il se place entre le 2 et le 3 sans vraies conséquences. Après, pour l'histoire en elle-même, on est sur du classique. Le grand méchant Seigneur Dragon a ressuscité et veut détruire le royaume enchanté de la princesse Étalon du cul, sans doute le running gag le plus long de toute l'histoire du jeu vidéo à ce stade.
L'idée principale du titre repose cependant dans le fait que le méchant, quand bien même c'est censé être un personnage non-joueur, donc techniquement conçu, joué et dirigé par Tina, ben il semble avoir une vie propre et discute avec vous à l'insu de sa MJ. Ce truc étrange est le fil rouge du jeu, même si malheureusement ça n'ira jamais bien loin. Après, fidèle à l'écriture des Borderlands, c'est super méta et ironique, même si on sent quand même que les concepteurs aiment le jeu de rôle, ils sont pas là pour cracher dans la soupe non plus. Ça embrasse pleinement les mécaniques et l'esthétique des univers de JDR, les dés, les monstres, les moments what the fuck, la carte du monde en diorama, les rencontres aléatoires, la MJ qui n'en fait parfois qu'à sa tête, les PNJ haut en couleur, mais le tout sans jamais être méchant. C'est gentiment moqueur, assez drôle dans ses parodies, et beaucoup moins pipi caca que Borderlands 3. On ne retrouve pas exactement l'alchimie presque parfaite du 2, mais c'est quand même sympa. Après, le personnage de Tiny Tina y est pour beaucoup, si c'est un des persos favoris des fans, c'est pas pour rien. Et il faut bien dire qu'elle est ici au top de sa forme, sublimée par le travail en VF toujours impeccable d'Isabelle Volpe. Et j'ai pas trop parlé du gameplay, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est exactement le même que le 3, mais dans un univers de Medieval Fantasy. Ce qui en fait de fait un bon gameplay, parce que celui du 3 était quand même excellent. Enfin voilà, Tiny Tina Wonderland, c'était sympa, mais c'était surtout pas beaucoup plus. C'est un spin-off avec un gameplay qui ne change pas vraiment par rapport à la série principale, et qui en plus est totalement dispensable à l'histoire. Donc bon, pour les fans de la saga, c'est cool, mais on va pas se mentir, c'était un peu osef. C'est pas très étonnant, mais il s'agit sans doute du meilleur jeu que j'ai fait cette année. Enfin, juste après Tears of the Kingdom, et j'ai pas encore commencé Baldur's Gate 3. Hades est un roguelike développé par Supergiant Games où vous incarnez Zagreus, fils d'Hadès et Perséphone, qui essaye de s'échapper des enfers car il a découvert que son père lui cachait que sa mère était toujours en vie, à la surface. On doit donc traverser chaque couche des enfers, rencontrer et affronter plein de figures de la mythologie grecque dans un roguelike nerveux, très agréable à prendre en main, addictif, pas si difficile que ça, en tout cas beaucoup moins que Dead Cells qui est le dernier roguelike sur lequel je me suis buté, mais surtout incroyablement bien foutu. Alors bon, le jeu a été sacré meilleur jeu dans plus d'une dizaine de concours, 93 sur 100 sur Metacritic, plein de vidéos ont expliqué mieux que moi en long, en large et en travers pourquoi Hades est sans doute un des 10 meilleurs jeux de ces 10 dernières années, vous devez faire ce jeu si c'est pas déjà fait, blablabla, tout ça c'est évident, mais je vais quand même prendre le temps d'expliquer un truc. Hades est un jeu qui a compris comment on raconte une histoire en jeu vidéo. Narrer une histoire, souvent ça se résume à situation initiale, péripétie et conclusion, dans cet ordre et avec un respect de l'ordre chronologique des événements. Cette chronologie n'est changée que pour des effets de style, comme des flashbacks ajoutant une révélation à un moment de l'histoire où ça a le plus d'impact. C'est une structure que l'on trouve dans la littérature, le cinéma, le théâtre, dans tous les arts où on est finalement passif face au déroulé de l'histoire. En jeu vidéo, par simplicité, c'est aussi ce qu'il se passe, mais j'ai toujours trouvé ça affreusement pauvre. On est censé être actif dans un jeu vidéo, c'est nous le personnage principal, c'est nous qui dirigeons le truc, on devrait être en capacité d'influer plus que ça sur l'histoire, ou à minima prendre en compte les spécificités du média. Alors pourquoi se contenter d'une structure aussi basique et plate? Genre, pourquoi quand on meurt, on se tape un game over et faut tout recommencer pour avoir la fin? Pourquoi ne pas se servir de cette mécanique propre au jeu vidéo pour justement raconter autrement une histoire? Et c'est totalement ce que Hades a fait. Dans Hades, sortir des enfers vous permet d'avoir un bout de l'histoire, même s'il vous faudra sortir 10 fois pour avoir la fin. Mais chaque mort vous raconte aussi beaucoup de choses. Mourir, c'est être envoyé à la case départ et pouvoir parler à nouveau à plein de personnages qui racontent des choses différentes, faisant avancer vos connaissances et les histoires parallèles si vous le voulez. Par exemple, vous pouvez ramener plein d'Ambrosie à Mégère pour lui faire la cour, ou Thanatos si vous préférez les mecs, ou même les deux, visiblement ils sont pas chiants. Mais c'est aussi l'occasion d'essayer de comprendre les motivations de chaque intervenant dans cette histoire, avec des dialogues doublés qui changeront à chacun de vos retours de run, gommant une partie de la frustration de l'échec et vous donnant envie de relancer une nouvelle partie pour savoir la suite, que vous alliez au bout ou non. C'est vraiment très intelligent, super bien fichu et généreux. Ce sont des milliers de dialogues qui ont été écrits pour des dizaines de personnages, si bien qu'il m'a fallu près d'une centaine de runs pour commencer à avoir des redites. Hades mérite amplement sa réputation. C'est un excellent jeu, une des meilleures narrations que j'ai pu voir dans le jeu vidéo allié à un gameplay solide et facile à prendre en main. Une tuerie. Troisième spin-off de la saga Dragon Quest, Treasure se déroule avant les événements de Dragon Quest 11. On retrouve Eric, protagoniste du 11, et Mia, sa sœur, alors encore enfant chez les Vikings. Un soir, ils libèrent deux petites créatures qui leur permettent de trouver des dragues draconiennes qui les transportent dans un autre monde, le monde de Draconia. Composé de morceaux de cadavres d'un dragon géant flottant dans le ciel, cet univers semblant à la croisée de tous les autres de la saga est en fait un immense terrain de chasse au trésor. Plein d'équipes sont à la recherche des artefacts disséminés un peu partout et chacune essaie de ramener les plus rares chez soi.
C'est sur ces bases qu'Eric et Mia vont investir une ancienne gare des rails du ciel, monter une équipe de monstres et partir à la recherche des plus grands trésors de ces lieux. Voilà pour le pitch, et en vrai, le jeu c'est simplement ça, une grosse chasse au trésor. Tout est tourné vers ça. Les monstres que vous recrutez permettent de localiser les coffres plus facilement, vous pouvez vous en servir pour atteindre des zones inaccessibles grâce à leur capacité de terrain, les envoyer en expédition pour amener encore plus de trésors, trouver des cartes avec des donjons à la clé. C'est un monde un peu particulier car vraiment tout ce que vous pouvez y faire permet de trouver des trésors. En même temps, vous en avez besoin, parce qu'il y en a un paquet à trouver. C'est simple, quasi tous les items de la saga Dragon Quest sont là. Presque tous les personnages importants peuvent être trouvés sous la forme de statuettes, et possiblement plusieurs exemplaires et dans des qualités différentes. Comptez plusieurs centaines d'heures pour faire le 100%. Perso, j'ai pas la patience. Et même au global, il faut vraiment être un gros fan en manque de Dragon Quest pour apprécier le jeu. Il est sympa, mais sa boucle de gameplay est très vite répétitive, notamment parce que vous ne pouvez pas ramener plus d'une dizaine de coffres à la fois. Et ça va très vite de ramener 10 coffres. Sur une zone avec un fort pourcentage d'apparition, c'est fait en 5 minutes. Il y a aussi des trucs à la con, comme le fait que le voyage rapide n'existe pas. Alors oui, je sais que c'est pour que vous puissiez vous faire agresser par des équipes concurrentes et rajouter de la tension, mais franchement, sans Smilodon dans son équipe, on a vraiment la sensation de se traîner entre les zones. Mais surtout, l'aspect le plus bancal du jeu, c'est les combats. Exit le système de tour par tour historique de la saga, ici c'est du temps réel, mais où vous ne contrôlez pas vraiment les membres de votre équipe, en dehors de votre personnage. Et ils ont clairement tendance à faire n'importe quoi, à claquer des PM sur tout ce qui bouge et à se coincer dans les murs. Et votre personnage est assez limité en puissance, la dague fait peu de dégâts et la fronde est assez complexe à utiliser en temps réel, puisqu'elle peut servir de heal ou de DPS. C'est vite le bordel. En gros, les combats sont poussifs et on a tendance à les éviter. Mais au global, c'était pas une si mauvaise expérience pour les 30 heures que j'ai passées dessus. Les environnements sont sympas, chercher des trésors en mode œuf de Pâques permanent, c'est cool, retrouver plein de références aux autres épisodes de la saga, c'est fun, mais très clairement le jeu aurait pu être bien mieux, et il est avant tout réservé aux fans hardcore en manque, en attendant DQ12 qui se fait clairement désirer. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire Horizon. Manque de peau, j'ai arrêté les consoles de salon Sony après la PS2. Donc quand Sony a annoncé le portage d'une de ses plus grosses exclus sur PC, bah j'étais joisse. Fallait juste laisser le temps qu'ils corrigent le portage fait un peu à l'arrache. Donc Horizon est un jeu de rôle en monde ouvert, dans un univers mix entre de la SF avec des robots et la préhistoire, où on joue le personnage d'Aloy, une jeune femme abandonnée à la naissance par on ne sait qui devant une grande porte d'un bunker dans une montagne, et qui va devoir parcourir le monde pour comprendre pourquoi une secte semble avoir envie de lui faire la peau, et qu'est-ce qui semble la relier au destin de cette planète. Voilà pour le pitch, et pour le reste, le jeu est clairement un gros mix entre trois séries. D'abord, Witcher 3, pour l'aspect RPG, son côté storytelling marmonneur permanent, et sa mise en scène. Ensuite, Far Cry, pour son monde ouvert avec plein de robots sauvages, ses milliers de collectibles, ses camps de bandits, ses tours pour dévoiler la carte, etc. Et Assassin's Creed, pour le côté parcours. En fait, le seul aspect que j'ai pas trouvé comme étant une repompe moins bonne d'un autre jeu, c'est les combats. À part pour les humains qui sont une grosse blague, les robots sauvages, c'est pas évident. Tu sens vraiment la différence de puissance et leur dangerosité. Même avec un bon level et un bon stuff en défense, t'as pas vraiment le droit à l'erreur. Il faut beaucoup jouer à la furtivité, à l'arc sur les points faibles avec les bons éléments, avec la roulade, c'est vraiment fun et assez challengeant, un peu comme un Monster Hunter qui ne se serait pas Narutoisé. Et j'ai beaucoup aimé. Mais pour le reste, c'était pas ouf, ou plutôt déjà vu. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir un mix entre les trois jeux précédemment cités, mais en un peu moins bien fait à chaque fois. Éléments repris qui ne m'étaient pas inconnus non plus avant, hein, j'ai fait plein de jeux qui avaient les mécanismes du jeu, mais donc c'est du vu et revu, et ça rend le tout assez chiant. Genre, l'open world, j'ai trouvé insipide au possible, surtout après celui de Breath of the Wild et plus généralement ceux conçus par Monolith Soft qui sont vraiment une bouffée d'air frais dans les open world actuels. Par contre, le jeu a quand même deux gros points forts. Déjà, Aloy, son personnage principal. J'ai beaucoup aimé l'incarner. Elle a une histoire intéressante, ne s'en laisse pas compter mais n'est pas non plus pète-couille, c'est pas une demoiselle en détresse. J'avais vraiment peur que le jeu glisse et retombe dans les poncifs éculés parce que c'est une femme, genre le love interest obligatoire, la moralité irréprochable, ou à l'inverse un aspect girl boss edgy ou ce genre de choses, mais non, c'est assez bien fait, sans être incroyable non plus on va pas se mentir. Et le second point, c'est sa direction artistique, et soyons clairs, le principal intérêt du jeu. Cet aspect préhistoire techno-tribal, je trouve ça vraiment super cool. Ces robots bien SF, bien mécaniques, ces humains bien en chair, mais qui ont quand même incorporé cette technologie qu'ils ne comprennent pas bien un peu n'importe comment dans leur culture, ça donne un cachet visuel à l'ensemble vraiment très cool. Par contre, si on y réfléchit deux minutes, ça n'a pas vraiment de sens. Non, parce que même avec l'excuse invoquée par le scénario, y a aucune raison pour laquelle les robots aient la forme d'animaux connus. Hein. Ok, d'accord, c'est un détail, mais j'ai plus un problème avec la cohérence globale de l'univers. Léger spoiler ici, mais sans contexte, c'est un peu dur de comprendre.
Les mecs se plantent en créant une IA surpuissante qui va détruire toute vie biologique sur Terre. Ça, ok, pourquoi pas. Mais la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de créer une autre IA surpuissante. Alors déjà, c'est une idée de con, mais en plus, ils ont mis la même faille et les mêmes risques volontairement. Évidemment que ça allait pas bien se terminer. Enfin voilà, Horizon, c'était sympa pour le temps passé dessus, mais c'était quand même un peu vu et revu. Ok, la quête principale et le mystère autour d'Aloy et de l'univers sont sympas, la DA est très inventive et appelle à imaginer plein de choses, mais autour de ça, le jeu reste assez plat, et surtout dans ses mécanismes. Est-ce que vous avez déjà joué à des livres dont vous êtes le héros? Ce sont des bouquins racontant des histoires où vous pouvez faire des choix, ce qui vous amène à une ou plusieurs fins, mais le plus souvent à la mort, on va pas se mentir. Le dispositif est assez simple, un livre avec des paragraphes assez courts qui vous demandent d'aller à d'autres paragraphes dans le livre selon vos choix courants et précédents. C'est clairement une forme primitive et simplifiée d'un jeu de rôle en solo. Et ben, adapté en jeu vidéo, ça donne Antioche. Antioche est un jeu coopératif en ligne à deux joueurs qui vous met dans la peau de deux flics, l'un dont c'est le premier jour de taf, l'autre le dernier jour, pour résoudre un meurtre commis dans un hôtel sordide de la ville d'Antioche. Alors, pas Antioche en Turquie, évidemment, mais une ville fictive américaine, miroir d'une des grandes villes de la côte Est dans les années 80. Votre rôle dans cette histoire est donc d'enquêter sur ce meurtre, trouver qui est le coupable et rassembler les preuves, dans une sorte de dialogue ininterrompu avec votre partenaire. L'idée est de rencontrer plein de gens qui savent peut-être des choses, les interroger, parfois les menacer, les soudoyer, dépendant de comment vous avez envie de finir le jeu. Parce que oui, comme dans tout bon jeu du genre, il y a plusieurs fins possibles. Je crois qu'il y en a une douzaine qui prennent environ 5 heures à chaque fois. En tout cas, c'est le temps qu'il nous a fallu pour finir la première fois en découvrant le jeu. Je pense que ça peut aller plus vite les fois suivantes quand on connaît les moments importants à passer. En tout cas, on a énormément apprécié avec mon pote quand on l'a fait. Clairement, faut jouer à deux, et surtout, faut jouer le jeu. J'entends par là que vous ne voyez pas les options de dialogue de votre partenaire, et c'est pour une bonne raison. Le mieux, c'est d'essayer de tenir une dynamique entre vos personnages, même si elle peut être amenée à évoluer. Essayez d'incarner les personnages plutôt que de les jouer comme un perso de jeu classique. Pour ça, une bonne idée, redoublez chaque dialogue, ça donne de la vie à l'histoire. En plus, nous on a essayé de donner à chaque PNJ une personnalité via un accent parfois improbable, et franchement, ça booste l'histoire et l'intérêt qu'on lui porte, c'était très cool. Par contre, le jeu est un peu galère parfois. Au final, on a une des pires fins, je pense, puisque le coupable a fini par nous faire abattre par la mafia, mais c'est parce qu'à la fin, on était bloqué, on n'arrivait plus à avancer. Je sais pas si c'est parce qu'on a trop joué au con, parce que clairement, j'ai tenté de faire le flic le plus con, raciste, complotiste, méchant, hard-ball possible, un putain de cliché sur pattes, mais nos choix ont fini par drastiquement se réduire. Et quand on était à l'étape de recherche des preuves, plus aucun PNJ n'arrivait à nous donner d'infos sur les pistes possibles. Clairement, le jeu n'a pas pris en compte tous les cheminements et réponses possibles, mais dans ce genre, c'est super galère d'avoir quelque chose de tout le temps parfaitement cohérent. Mais voilà, l'ambiance 80s fantasmée était super sympa. Je suis pas hyper fan des histoires de polar, c'est même le genre que j'aime le moins, mais cette enquête en coop sur The Square, ça a vraiment été un super moment de jeu vidéo, que clairement je conseille à tous. En plus, le jeu n'est vraiment pas cher, franchement, c'est à faire. Oui, encore un jeu que normalement j'ai déjà fait. Est-ce que je vous mens depuis le début et que tout n'est que tromperie sur cette chaîne? Non, c'est tout simplement que je n'étais jamais arrivé au bout sans tricher. Faut dire que la dernière fois que j'ai tenté de faire les campagnes, j'étais encore un ado. Ça remonte à un petit moment. J'ai voulu le refaire à la sortie du Remastered, mais quand j'ai vu la douche froide, et c'est un euphémisme, qu'a été la sortie du jeu, j'ai remis ça à plus tard. Ouais, rapidement pour ceux qui ne savent pas, Blizzard avait promis un jeu nickel, avec des nouvelles cinématiques, nouvelles missions, nouveaux ladders, etc., en conservant l'ancien jeu dispo, et au final on n'a rien eu de tout ça. Et même pire, au-delà des bugs de la sortie, il n'est plus possible de jouer légalement à l'ancien Warcraft 3. T'es obligé de lancer le remaster et des patchs ont été imposés, notamment des patchs de voix supprimant des voicelines iconiques. Pour les avoir à nouveau, faut modder le jeu. Bref, Warcraft 3 Remastered, c'est une honte, un naufrage. C'est pour ça que quand je l'ai refait en version Warcraft 3 classique, sans le remastered. Et y a pas à tortiller, c'est vraiment un excellent jeu. C'est fun, agréable à prendre en main, même s'il faut être assez rapide sur les manipulations clavier et souris. Si vous n'utilisez pas les spells des unités ou les groupes, ça va devenir compliqué. L'entraînement que j'ai fait l'année dernière sur Age of 4 a pas mal porté ses fruits. Cette fois-ci, j'ai pu faire l'entièreté des campagnes sans tricher une seule fois, et quasiment sans perdre. Y a que la dernière mission de la seconde campagne des morts-vivants que j'ai dû refaire. Trois fois, et la dernière avec un guide pour bien démarrer la mission, parce qu'elle est vraiment pas évidente. Pour ma défense, c'est sans doute la mission la plus dure du jeu. Mais sinon, j'ai trouvé les campagnes en mode normal relativement équilibrées. Et au global, le jeu est bien fichu, hein. Facile à prendre en main mais profond dans son gameplay, même si avec le recul, il a quand même des trucs un peu chiants.
La limite de sélection d'unités, on peut pas en prendre beaucoup. Le pathfinding est très très con, les unités n'arrêtent pas de s'entre-bodyblock tout le temps, c'est vite chiant quand on veut bouger une grosse armée. Même si ça m'a bien aidé parfois, vu que ça fait bugger l'ordi si on bloque le chemin de certaines unités. Mais sinon, tout le reste du jeu est encore aujourd'hui très cool, notamment l'histoire. On est vraiment pour moi au pic de l'histoire de Warcraft. C'est quand même l'ascension d'Arthas en mode roi Lich, la première apparition de Sylvanas, la création des elfes de sang. Il se passe vraiment plein de trucs hyper importants dans cet opus, et sans que ça parte en couille. Ça étend l'univers intelligemment, on trouve plein de personnages moralement gris, loin du manichéisme des opus précédents, et on n'est pas encore dans le pur what the fuck des dernières extensions de World of Warcraft. Bref, c'était top. C'est pourquoi, franchement, je conseille de faire Warcraft 3 encore aujourd'hui. Peut-être en mode remaster pour ceux qui le découvrent. La DA 2000 est encore bonne, mais peut piquer un peu les yeux pour ceux qui sont pas nostalgiques de cette époque. Mais sinon, c'était très cool. Il y a 2 ans, j'avais fait le reboot de Tomb Raider par Crystal Dynamics. Et bah cette année, j'ai fait sa suite. Mais contrairement au précédent, j'ai moins aimé cet opus. C'est pas le scénario qui m'a vraiment embêté. On retrouve une fois de plus Lara Croft qui fait la course avec une organisation maléfique et beaucoup trop armée à la recherche d'un artefact aux pouvoirs occultes. Ici, c'est visiblement un objet qui rend immortel. Objet que Lara recherche pour redorer le nom de son père qui s'est perdu et tué à cause de son obsession pour lui. Oui, parce que Lara en soi, elle n'a pas vraiment besoin vu les capacités surhumaines qu'elle possède. Bref, le scénario est cousu de fil blanc et est ultra prévisible, mais ça, à la limite, je m'y attendais. Ce qui m'embête plus, c'est qu'au niveau gameplay, c'est exactement le même que le précédent. Tout est là, les mêmes objets, la même progression, le même aspect survie inséré un poil au forceps pour donner une progression au personnage, on vit pas la même aventure, mais putain que j'ai eu l'impression d'avoir déjà fait ce jeu. Hein. Alors oui, les zones sont peut-être un peu plus grandes, ouvertes et un peu plus remplies, mais remplies avec des milliards de collectibles à la con dont t'as rien à foutre. Non mais regardez ça, il y en a partout. Et des collectibles en soi, j'ai rien contre ça tant que c'est raisonnable, mais là il y en a beaucoup trop, et contrairement à des jeux comme Tears of the Kingdom qui te laissent choisir l'approche pour récupérer ce genre de truc optionnel, là t'es tout le temps obligé de choisir LA bonne solution, sinon tu ne peux pas y arriver. Le jeu est extrêmement scolaire, limite on voit plus les objets en grey box plutôt que l'environnement qu'ils ont tissé par-dessus. Du coup, je me suis retrouvé à faire exactement la même chose que j'avais fait dans l'opus précédent, au bout de quelques heures passées à farfouiller à chercher tous les items le plus possible, j'en ai eu marre, et j'ai rush la fin du jeu, ce qui donne en fait un gros couloir d'à peu près une dizaine d'heures. Après, le jeu a quand même des qualités de base qui sont de fait les mêmes que l'opus précédent. Une très bonne production, des cinématiques cool, un level design clair et intelligent, mais quand même, il y a cette impression d'avoir fait ce jeu 100 fois qui reste, qui est très tenace. J'ai fini le jeu, en même temps en mode normal il est loin d'être dur, j'ai mouru que sur des sauts foirés à cause des animations parfois un peu trop réalistes de Lara, mais comme son grand frère, je n'ai pas eu la foi de chercher toutes les merdouilles laissées par les devs pour augmenter la durée de vie. Par contre, l'histoire de ce jeu tease quand même un troisième opus lié à celui-là, donc bon, je sens que je vais pas y couper et faire Shadow of the Tomb Raider. Bon, ça ne vous a sans doute pas échappé, un nouveau Mario 2D est sorti cette année. J'ai profité de la Toussaint pour me replonger un peu dans ce genre de jeu de plateforme qui n'est habituellement pas spécialement ma tasse de thé. Là, je l'ai surtout pris parce que c'est un Mario, ce qui est quand même synonyme de qualité généralement, et surtout les bandes annonces donnaient l'impression que le jeu embrassait complètement le côté psychédélique des champignons. Genre, j'avais vraiment l'impression que tout pouvait arriver dans un niveau, et en vrai, c'est un peu le cas. Bon, je vous passe l'histoire, on est sur une énième aventure du plombier avec Bowser qui veut piquer un truc le rendant surpuissant, blablabla, on connaît. Le tout dans une nouvelle partie du royaume, accompagné du prince Florian, qui va ajouter une dimension de customisation à la sauce classique Mario, puisque vous pouvez lui mettre des badges qui vont un peu altérer le gameplay de saut. Pour le principe, c'est dans le même style que les Mario World, mais avec un peu plus de liberté sur la sélection des niveaux. Il y a des genres de zones ouvertes qui permettent de choisir l'ordre dans lequel on veut progresser, en sachant qu'il y a régulièrement des barrières qui demandent X graines prodiges à ramasser. Si vraiment vous galérez sur un niveau, c'est possible d'en skip certains. Les niveaux, parlons-en. Et ben comme d'hab, c'est franchement super en termes de level design. Certes, il y a seulement 4 transformations, avec 2 anciennes si je ne m'abuse, mais en fait, c'est compensé par les graines prodiges. Quand vous chopez la graine prodige du niveau, celui-ci explose. J'ai pas vraiment d'autres mots pour décrire ça, parce que c'est différent à chaque fois, et c'est toujours très très surprenant. C'est vraiment ce qui fait pour moi l'intérêt du titre, parce que sinon le game design des stages est plutôt quelconque. Pour un Mario, hein, ça reste du très bon dans le genre, mais faut bien avouer que sans les graines, on se ferait un peu chier, je pense. D'ailleurs, j'ai trouvé le jeu un peu chiche en termes de nombre de mondes, stages et durée de vie. J'ai pratiquement le 100% et je l'ai atteint en moins de 20 heures sans vraiment forcer. Il n'y a que les stages du monde spécial où j'ai perdu pas mal de vie. Et encore, pas tous. Pourtant, comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert des jeux de plateforme, mais genre, le monde 3 avec seulement 7 vrais niveaux, c'est franchement pas beaucoup.
Pareil, heureusement que les graines prodiges sont là pour faire une sorte de second stage dans le niveau, parce que sinon je pense que quasi tous se font en moins de 30 secondes au deuxième essai. Alors après, peut-être que je suis biaisé parce que le Mario 2D que j'ai le plus fait n'est pas un vrai Mario. C'est la version occidentale de Mario 2 qui est un reskin du jeu Yume Kojo no Doki Doki Panic. Mais franchement, le jeu aurait mérité 20% de stage en plus. Facile. Le jeu est bien, inventif, très agréable à prendre en main, parfaitement fini, c'est un Mario 2D fait avec amour par Nintendo, y a pas de souci, mais je reste quand même un peu sur ma faim. En vrai, j'ai beaucoup aimé cette année de jeux vidéo. Je me suis clairement moins forcé à finir les jeux d'un genre que je ne connaissais pas pour remplir un quota ou des trucs comme ça, et c'était beaucoup plus agréable. Refaire et terminer des jeux que j'ai connus et bien aimés, ça aide aussi. Mais j'ai quand même essayé de sortir un petit peu de mes habitudes, genre Antioche et Horizon, c'était clairement pas ma priorité à l'origine, et pourtant j'ai bien aimé. Je pense que je vais me servir de cette expérience pour équilibrer 2024, genre alterner les jeux que je connais mais que j'ai pas fini et les pures découvertes. Par contre, il y a clairement des jeux que j'aurais aimé faire cette année, mais ça prend beaucoup trop de temps, donc je les ai mis de côté. Genre, en tant que gros fan des Royaumes Oubliés, ayant bien repris le JDR D&D, et ayant aussi adoré le film qui est sorti cette année, j'avais vraiment, vraiment hâte de faire Baldur's Gate 3, sauf qu'il prend beaucoup trop de temps, et j'y ai pas beaucoup trop de temps. Ça fait d'ailleurs 3 ans que je bosse sur un sujet sur les jeux Royaumes Oubliés, et plus j'avance dessus, moins j'ai l'impression d'en voir le bout. Et c'est pas le seul, hein. J'aimerais bien faire Cyberpunk 2077 et son extension maintenant que le jeu est stable et corrigé, mais c'est pareil, j'ai pas le temps de m'immerger dans ce genre de jeu, à mon grand regret. Surtout en ce moment, j'en parlerai un peu plus dans la vidéo bilan de l'année qui sortira dans 2 ou 3 semaines. En sachant qu'il y aura, si tout va bien, entre les deux, une autre vidéo sur un sujet dont j'ai très envie de parler, même s'il n'a pas grand chose à voir avec le jeu vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel jeu vous avez joué cette année et ce que vous en avez pensé. Et si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année 2023. Salut à tous, portez-vous bien !